Coucou à tous, alors j'espère que je vais réussir à faire ma vidéo craftelier parce que j'arrête pas d'être dérangée. Alors, j'ai profité des Black Friday et je me suis pris la Cinch. Donc je l'ai enlevé de l'emballage. Il faut que je lui trouve une petite place. Donc dedans, il y avait ça. Alors, ouais, il y a la notice, mais la notice, je crois qu'elle est qu'en anglais. C'est mon mari qui m'a dit ça. Il faudra que je regarde. Ah bah non. Alors, en anglais, en espagnol. En allemand. Alors, est-ce qu'elle est en français? Ah bah oui, il y a en français. C'est bon, il y a en français, papa. Hein? Et alors, la truc, elle est en français. Ouais. Donc, il y a une pince, donc je pense que c'est pour couper la reliure. Je découvre en même temps que vous. Et après, il y a un carton. Il y avait un carton dedans. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Peut-être des accessoires. Bonjour. Ah non, c'est pas ouvert. Je vais y arriver. Alors, j'ai un article qui vient en différé parce qu'il est en rupture. Je vais y arriver. Ah oui, quand même. Ah, je savais pas. Je n'aurais pas commandé sinon. Ouais. En fait, vous avez des. Pas si. Voilà. Des reliures comme ça. Donc en noir, vous en avez deux. Pas de l'eau. De l'eau en blanc. Et de l'eau en argenté. Donc j'en ai pris de la marque UR Memory Keepers en blanc. Et c'était combien? Enfin, j'ai demandé à bébé quelle taille que je vais prendre. Donc celle-ci, j'ai pris cette taille-là. Donc c'est 0,625 en blanc. Donc j'ai pris que celui-là, parce que celui, la marque UR Memory Keepers, ils sont plus chers. Et du coup, j'ai pris de la marque Craftly. Alors, j'ai pris des 1 pouce, je crois que c'est ça qu'on dit. Donc, couleur bronze, vieilli, je crois. Rose gold. Alors, ça, c'est 3 quarts de pouce. Donc, je vais tester. Hein. Je vais devoir demander des cours, peut-être. Ah bon? Et 3 quarts de pouce, le prix des blancs. Après, un bébé pour son anniversaire, je lui avais payé une corner champer. Et comme j'ai vu que ça faisait des jolis trucs, donc je me suis prise celle-ci, donc c'est la même que bébé. Donc elle fait des petites bagues là ici. Et j'en ai pris, moi j'ai profité du Black Friday, elles sont moins chères. Et j'ai pris celle-ci aussi, la verte. Donc ce côté-là, ça fait pareil. Mais celui-là, c'est déco comme ceci.
Donc on essayera de faire une carte ou un truc. Après j'ai pris des œillets, donc la marque Craftelier. Ils font beaucoup de trucs de la marque Craftelier, donc j'ai pris en rose comme ça. En rose comme ceci. Donc vous avez 40 pièces. Et c'est des diamètres 0,84 mm. Peut-être ça. Des couleurs lilas et des couleurs bronze. Donc il y en a toujours 40 pièces. Alors, de chez Prime, j'ai pris des petites fleurs. Donc, vous en avez 80 pièces. Des fleurs comme ça, je les adore. Mais j'essaierai d'en refaire avec ma perfo. Je vois qu'il y a des strass qui sont partis. Je suis un peu déçue. Mais tant pis. Après, j'ai pris un petit des petites cartes de journaling, donc de la marque Prima, et c'est la série Sugar Cookie Christmas. Vous avez 15 designs et 3 feuilles de chaque, donc 45 feuilles. Et vous avez tous ces motifs là, je sais pas si vous allez voir. Donc il y a plein. Donc, de l'autre côté, c'est que ce motif-là. Alors, vous avez ce motif-là. Le paysage. Là, c'est des gâteaux. Ici, des petites meringues. Là. Parce que c'est marqué. Non, elle est trop choupinette. Celle-ci, ben, c'est une partition dans les tons roses. Là, le petit Père Noël. Trop belle. Le petit bonhomme de neige. Là, ça avec des petits biscuits. En fond, là c'est les petits Pères Noël. C'est un petit paysage avec tes petites maisons. Il y a même le traîneau du Père Noël là. Là c'est un fond effet bois dans les tons verts, rose. Ici, le Père Noël, et là, il y a une paire de patins à glace. Pour ça, j'attends le moule. Il y a des beaux trucs. Et celle-ci. Et là, avec la petite fille. C'est tout. Là, j'ai pris les die cuts. J'ai pris les die cuts. Donc là, vous avez tout ça. Je vous les montrer. Je crois. Ouais. Donc vous avez des petits cœurs, un petit cœur rose gold, un vert. Là vous avez des écritures, c'est un pink Christmas, Noël rose.
Une petite écriteau. Le bonhomme de neige. La petite fille. Petite voiture avec les cadeaux. Le petit Père Noël. Après, vous avez des petites tailles. Encore un tout petit cœur. Non, elle est trop beau. Encore un petit tag. Encore un petit cœur. Un petit sapin rose. Les petits patins à glace. Le poinsettia, elle est trop jolie en rose. Alors, petit créteau. Ça. Mon anglais. Le petit chapeau du Père Noël. Sucre d'orge. Encore un cœur. Tout comme ça. Comme ça. Et ça. Voilà. Je vais ranger là-dedans. Pour pas que je perde, parce qu'il y a des petits trucs, des petits cœurs. Bien sûr, il y a la petite carte. Donc ça, c'est Nolwenn qui va me la piquer parce qu'elle a dit qu'elle est très jolie. Bien sûr, il y a la petite sucette. Donc vous avez la sucette avec en noir. Donc c'est pour Nolwenn aussi. Et j'ai pris le bloc 20-20. Donc 6 doubles, 5 feuilles de chaque, certainement. Bien sûr. Ah, j'aime pas ces trucs là, ces scotch. Je reviens, je vais enlever les scotch. Me voilà. Donc, oui. Donc, j'ai 30 feuilles, 30 feuilles, 6 modèles. 6 modèles double face et 5 feuilles de chaque. Enfin, moi, j'ai préféré en 20-20. En plus, en haut, vous pouvez récupérer le papier. C'est dommage parce qu'on ne voit pas très bien. Enfin, il est mieux en vrai, en fait. Donc là, ça ressemble aux feuilles. Donc vous en avez 5 de chaque, si j'ai bien compris. Là, vous avez... Et en plus de l'autre côté, vous avez effet bois, que j'adore. Les tons roses, c'est magnifique. Et là, vous avez des petites comme ceci. De l'autre côté, vous avez celui-là. Celui-ci. Alors, de l'autre côté, celui-là aussi, il est beau. Avec les petites maisons. Celui-ci. Oui.
vous avez les Pères Noël, les bonhommes de neige, celui-ci, donc les partitions, celui-ci et celui-là. Je sais pas si vous avez deux. Vous allez voir, c'est du feuillage mais rose comme ça, ça va mieux. Voilà. Je me suis pris aussi des petites pommes de pin. Donc je croyais qu'elles étaient plus petites, enfin moins grosses, mais non, non, c'est pas grave. Je vais essayer de faire quelque chose avec. J'ai eu deux petits cadeaux. Donc j'ai eu un joli petit cutter comme ça. Hop. Donc ça, je vais laisser sur mon bureau. Et j'ai eu un petit sac. Comme ceci. C'est pareil. Ouais, c'est pareil de l'autre côté. Voilà. Ben voilà ma petite commande craftelier. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà. Je vous fais de gros bisous et à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.